Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque vous savez que lui, Jésus, est juste. Vous connaissez que celui qui pratique la justice est le signe de Dieu. Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne le connaît pas. C'est ce qui n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous y serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Qui commet le péché transgresse la loi, car le péché, c'est la transgression. Or, vous savez que lui, Jésus, s'est manifesté pour enlever les péchés et qu'il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche n'a pas vu et ne le connaît pas. Parole du Seigneur. Thank you.
l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. C'est de lui que j'ai dit : L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne connaissais pas. Mais je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Nous louons à toi, Seigneur une bière du grand-dit. Au fil des années, la petite
maintenant son âge adulte. Fini l'insouciance de la jeunesse qui chantait comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent, comme un enfant qui ne pleure qu'un doute et qui sourit en rêvant. Fini ce temps d'insouciance où, en chantant, on ne savait même pas ce qu'on disait, mais on chantait quand même à cœur joie. Aujourd'hui, toutes ces paroles prennent sens dans chacune de nos vies. Quand un an après, c'est la maturité et aussi le temps de l'épreuve. 40 ans d'épreuve, les aides, la faim, la soif, le doute, les serpents à morsures violentes, les conflits et les guerres. 40 jours et 40 nuits, les aides, pour y être tenté par le diable comme Jésus, résister avec la force de la foi. La vie du chrétien est un combat quotidien. Et votre sainte patronne, sainte Geneviève, avait ce sens de combat spirituel. C'est pourquoi elle est aussi la sainte patronne de la gendarmerie nationale et de tous les honneurs du monde. Au milieu des épreuves, elle savait puiser des forces dans la prière et le jeûne. Vous aussi, faites de même chaque jour de votre vie. Chers choristes, mes frères et sœurs, nous voici devenus adultes. Il faut maintenant penser à la postérité. Quel héritage laisserons-nous à ceux et celles qui arrivent? Nous n'avons ni or ni argent. Le plus bel héritage sera la qualité de notre foi et de notre persévérance dans l'engagement au service du chant sacré, sous le patronage de Saint-Denis. Saint-Augustin disait que bien chanter, c'est prier de foi. Le chant permet de prier avec la tête et le cœur, mais aussi avec le corps comme dit. Soyez pleinement dans ce que vous faites lorsque vous chantez. Ainsi, vous serez une aide précieuse pour nos frères et sœurs paroissiens, pour nos frères et sœurs en Église. Bien-aimés dans le Christ, l'Évangile de ce jour nous donne de contempler le modèle de Jean le Baptiste comme témoin, témoin du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a pu et rend témoignage à la vérité. Nous aussi, soyons les témoins de la lumière, de l'amour et de la joie pour les hommes et les femmes de notre temps. Comme la peste, le sida, le paludisme et la COVID-19, fuyant les occasions de chute et demeurant constamment dans l'obéissance du Saint-Esprit afin de ne pas pécher, afin de vivre dans la grâce. En effet, quiconque demeure en lui ne pêche pas, dit la première lettre de Saint Jean. Que le Saint-Esprit soit notre source d'inspiration et notre guide dans l'accompagnement de notre ministère, le chant de l'Éternel. Louez serviteur du Seigneur, alléluia. Louez le nom du Seigneur, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, alléluia.
Seigneur,
Thank you.
Seigneur, et on a paix à notre temps, que lui par ta miséricorde nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, pour qu'un homme soit allé, Seigneur, vos espérances, car le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, que les apôtres vous restent à terre, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché de la foi à notre Église, pour ta volonté s'accomplisse, donne-lui Dieu cette paix pour la vertu parfaite, pour qu'il vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, ma chère du Christ, prenez-vous un signe de paix. Voici le Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, que veut le reste des invités pour vos pas et leurs souvenirs. Dieu ne se sera digne de te recevoir, mais dit seulement par la parole de ce Seigneur. Que le corps et le sang de Christ nous bénissent dans la vie éternelle. Je prie, Seigneur, guide-moi et guide-moi.
seul avec la pression de ces éléments, bien arrivé ici présent. Il m'a été demandé d'être des paroles. Un seul mot, ce sera merci. Merci, le Père l'a dit tout à l'heure, 40 ans aussi, 41 ans, c'est aussi l'âge de la rencontre, l'âge de la rencontre avec le Seigneur. Et cette rencontre appelle aussi certaines décisions de vie. La décision de servir le Seigneur jusqu'au bout. C'est avec ces mots que je vais terminer mon propos. Le service par le chant liturgique ne s'arrête pas simplement à des années, mais continue jusqu'au bout. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même décide. Pas jusqu'à ce que la mort décide, mais jusqu'à ce que le Seigneur décide. Que le Seigneur continue en fait à rencontrer son œuvre de salut. Et que ses grâces durant cette année 2024 ne passent pas à côté de vous. Et que ses grâces tombent et continuent en vous ce mystère pour la seule de Dieu que les aides nos frères des hommes. Je suis remercié à l'abbé Serge Parfait qui, dans quelques jours, va célébrer ses 21 ans de sacerdoce. Donc, je vais peut-être aller en ce sac ce vendredi 5. Vendredi 5 janvier à 18h, la paroisse Saint-Pierre, 21 ans, nous sommes invités à célébrer avec lui ces belles années de service pour la gloire de Dieu. La paix du Christ. Amen. Ce n'est pas seulement une information, c'est aussi une invitation à la paix. Les prisons m'ont été informés, mais je ne suis pas venu parce que on m'a pas invité. Information et une invitation. La paix du Christ. Amen. Gracias.